aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons dans l'éditeur d'avatar de Roblox, comme vous le voyez. Mais aujourd'hui, si on fait ça, ce n'est absolument pas pour rien, parce que nous allons aujourd'hui créer le profil de Peppa Pig. Peppa Pig, comme vous le voyez, qui est un de mes personnages préférés de Roblox. Et dès maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recréer dans la boutique d'avatar. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Et après, on partira évidemment sur Brookhaven pour troller toute la population et me faire passer évidemment pour Peppa Pig. Nous voilà, comme vous pouvez le voir sur Roblox, mon skin habituel est juste là. Et si tu ne l'as pas encore fait, évidemment, abonne-toi à la chaîne YouTube et mets-moi un gros pouce bleu. Ça m'aidera à me soutenir et comme ça, je pourrai faire plein de nouvelles vidéos, comme par exemple celle-ci. On commence, eh bien, la personnalisation du skin. Et pour cela, je vous propose qu'on recommence par se déshabiller tout simplement, puisque évidemment, vous le savez, il faut que je ressemble à Peppa Pig. Alors, on va directement enlever, eh bien, tout simplement les t-shirts que j'ai sur moi et un petit peu tout le reste. Donc, on va directement aller dans les vêtements, on va aller dans la chemise et boum, on enlève directement le t-shirt. Maintenant, on va évidemment aussi s'occuper d'enlever le pantalon. Et voilà, je suis donc actuellement avec le skin de base de Roblox. Et puis bah écoutez les potes, ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on parte pour trouver les premiers articles dont on va avoir besoin. Et pour ça, les potes, on va eh bien aller dans la boutique et chercher pour commencer eh bien un t-shirt Peppa Pig. Alors c'est parti, voyons voir un petit peu qu'est-ce que nous avons. Ok, alors là on a un truc qui est sympa. J'aime vraiment plutôt bien, ça ressemble quand même pas mal à Peppa Pig. Sinon, on a ça. Oh, attendez, mais c'est une dinguerie ça, ça ressemble de ouf à Peppa Pig. Ok, alors ça je valide quand même plutôt pas mal. Même si la couleur rose ici, je sais pas s'il y a ça sur Roblox. Bon, au cas où, on le met quand même de côté. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre. Oula, alors ça, c'est un petit peu trop rouge je trouve. Alors sinon, regardez-moi ça. On peut même mettre des t-shirts et Peppa Pig. Bon, alors Peppa Pig, je ne l'ai jamais vu avec un t-shirt comme ça, donc ça sera pas forcément trop réaliste, mais c'est vrai qu'il est quand même plutôt drôle en vrai. Bon, je sais pas trop ce que vous en pensez, moi je partirai quand même pas sur ça. Après, on a aussi ce Peppa Pig là, que je sais pas ce qui se passe, une petite flaque blanche au niveau de la tête. Bon, oh, regardez la tête. Bon, on verra pour la tête juste après. Là évidemment la mission c'est évidemment de trouver un t-shirt. Alors regardez là, on a un pantalon Peppa Pig, celui là je le valide vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense qu'on pourrait partir sur un truc comme ça. Regardez, Peppa Pig comme ça. Ouais, franchement, j'aime pas mal ça. Écoutez les amis, regardez dès maintenant, j'ai acheté quelques petits skins, enfin quelques petits vêtements de Peppa Pig. Regardez un petit peu ce que j'ai acheté. On va aller dans vêtements, on va aller dans les chemises. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai acheté. Alors, hop là, tac, personnalisé. Regardez ce que j'ai acheté et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, j'ai acheté du coup pour le t-shirt de Peppa Pig, celui-ci. Franchement, que je trouve vraiment très classe et qui ressemble énormément à celui de Peppa Pig. Et du coup, pour ce qui est du pantalon, j'ai acheté celui-là. Voilà, comme ça, je trouve que ça va quand même plutôt bien ensemble, comme vous le voyez. Là, franchement, je valide de ouf. Ok, bon, maintenant que nous avons fait ça, les potes, il est l'heure de changer un petit peu la couleur du teint de notre corps. Puisque, évidemment, Peppa Pig, c'est un cochon qui est rose. Et dès maintenant, on va aller dans le corps, on va aller dans la peau et on va directement se mettre en rose. Ok, là, franchement, je valide. Alors, le teint manque un petit peu, mais franchement, c'est pas mal. Ouais, en vrai, je valide quand même. Je sais pas trop ce que vous en pensez, évidemment, de ce skin, mais moi, j'aime bien. Peut-être que le t-shirt est un poil un petit peu clair, je sais pas. Bon, écoutez, pour l'instant, on reste sur ça. On va essayer un petit peu maintenant de personnaliser un petit peu tout ce qui est de la taille. Voyons voir un petit peu comment est Peppa Pig. Alors, Peppa Pig n'est pas très grande, hop, mais elle est un peu grosse. Donc, boum, on va se mettre un maximum vers là. Et maintenant, on va le rétrécir. Ouais, attendez, on va regarder un petit peu. Comme ça, je pense que c'est pas trop mal. La tête de Peppa Pig est quand même assez grosse. Voilà. Ok, bon, on a un petit peu le skin de base de Peppa Pig, mais maintenant, il manque un petit truc, c'est évidemment sa grosse tête de cochon. Pour cela, on va directement retourner dans la boutique d'avatar et on va essayer de trouver un petit peu ce qu'on peut faire pour changer un peu Peppa Pig. Alors, c'est parti, allons dans les accessoires pour la tête, on va aller dans plus, et maintenant on va directement taper Pig, voilà, pour évidemment rappeler le cochon. Alors, qu'est-ce que nous avons? What? Cochon et lunettes d'aviateur. Oh, alors lui est vraiment trop stylé. Par contre, attendez, est-ce que vous avez vu le prix de ce truc-là? 9490 Robux. Ouais, non, ça va faire un petit peu trop, je crois. Là, j'ai pas le budget pour ça. Ok, bon, on va peut-être pas acheter ça. On va regarder peut-être qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oh, alors ce skin fait un peu peur, là, avec les yeux qu'on voit pas. Mais il aurait pu être stylé. Alors là, on a une sorte... Oh, non, ok, bon, j'aime
pas trop ce qu'il y a pour l'instant. Écoutez les potes, regardez. Sinon, on a celui-là. Je trouve qu'il ressemble quand même pas mal à celui de Peppa Pig. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je vous propose qu'on parte sur celui-là. Et regardez donc le skin que j'ai créé au final. Hop là, je vous le montre tout de suite. Hop, on va directement dans l'avatar. Hop là, et boum. Tadam. Voici le skin de Peppa Pig que j'ai donc créé au final. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 de comment est-ce que vous le trouvez. Moi, franchement, je mets clairement la note de 10 sur 10 puisque franchement, il est absolument magnifique. Et bah écoutez, maintenant que le skin de Peppa Pig a été créé, ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement sur Brookhaven pour évidemment aller troller tout le monde qui est là-dedans. Et vous allez voir, ça va vraiment être super drôle. C'est parti. Regardez-moi ça, je suis actuellement, comme vous pouvez le voir, sur Roblox. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement aller voir mon voisin et évidemment mon ami, c'est Lucas. Et vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas forcément, mais en gros Lucas, son dessin animé favori, je le connais, c'est évidemment Peppa Pig. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais lui faire la surprise, comme quoi, et bien après je me déguiserai en Peppa Pig et il va à mon avis devenir vraiment 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 fou. Bref, c'est parti, on va directement devant chez lui et on va sonner à son portail. Hop là, tac, on va sonner à sa porte directement, voilà. Oh, salut. Yo. Lucas, comment tu vas? Ça va bien et toi, Omar? Ouais, mec, moi, ça va vraiment, ouais, super. Carrément. Bon, hé, Lucas, dis-moi, j'avais une question super importante, de la plus grande importance à te poser. Est-ce que tu peux m'y répondre? Alors, oui, oui, oui. En gros, je voulais savoir quel était ton dessin animé favori, dis-moi. C'est Peppa Pig. Ah ouais? Mais comment ça se fait que t'aimes bien ce dessin animé? Parce que j'adore Peppa, en plus, elle est trop belle. What? Attends, mais comment ça, tu la trouves belle? Attends, tu veux la draguer ou quoi? La vérité, si elle vient... What? Ok. Je vais la draguer. What? Je vais faire un bisou sur la bouche. Tu vas essayer de lui faire un bisou? Non, mais faut qu'elle soit d'accord au moins pour te faire un bisou aussi. Bah oui, bien sûr. Ok, d'accord, très bien. Bon, eh, les amis, vous avez entendu. Je pense que ça risque d'être vraiment une vidéo exceptionnelle puisque apparemment, Lucas est même un peu amoureux de Peppa Pig. Ça veut dire que là, si je me transforme en Peppa Pig, il va tenter de me draguer et tout. Oh, eh, les potes, je sens que ça va vraiment être beaucoup trop drôle. Bon, et bah Lucas, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Apparemment, Peppa Pig aurait été retrouvée à la salle d'arcade de la ville. Tu sais, c'est au niveau de la ville, tu sais, où il y avait les jeux et tout. Mais non. Mais si, il devrait... il a été retrouvé là-bas. Donc mec, ce que je te conseille, habille-toi classe, fais-toi beau et tout. Et on se retrouve directement à la salle d'arcade. Ouais, bon. Mec, essaye de faire un petit effort encore parce que mec, t'as un vieux jean un peu délavé. Enfin mec, tu sais quoi, fais-toi sur ton 31. Et puis bah écoute, va à la salle d'arcade, Peppa Pig est là-bas, ok? Ok, carrément, j'enlève mes lunettes et me coiffer. Okay. Vas-y, vas-y, allez, ciao. Ok, ciao. Bon, eh, les amis, j'ai donc fait croire à Lucas comme quoi Peppa Pig était à la salle d'arcade de Brookhaven. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc, eh bien, se préparer pour y aller. Oh, eh, les potes, franchement, là, je sens qu'on risque de s'attaquer à une vidéo masterclass tellement que ça va être drôle. Allez, en tout cas, de mon côté, c'est parti. Je fonce vers la salle d'arcade et après, je vais directement mettre mon skin de Peppa Pig qu'on a créé. Et vous allez voir que le troll va être absolument phénoménal. Je suis trop pressé, là. Allez. Let's go, tac, on va se garer au niveau de la salle d'arcade. Alors je vais quand même cacher ma voiture parce qu'après Lucas va la reconnaître, hop là. Hop, on va la cacher ici, voilà. Nickel, allez, c'est parti les potes. Dès maintenant, on met le skin que j'ai créé du coup de Peppa Pig. Voilà, c'est bon. Alors là franchement, c'est incroyable. Il est trop stylé, boum. Je suis à la salle d'arcade et je vais faire comme si je jouais à un jeu vidéo. Non, au pire, vous savez quoi? Je vais mettre en haut de la salle d'arcade et je vais espionner, voir si Lucas arrive. On va prendre des petites jumelles et on va espionner du coup devant la maison. Hop là, c'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un est ici? On va voir un petit peu. Pour l'instant, je vois rien de spécial. Je le vois pas arriver pour l'instant sur la gauche. On va regarder un petit peu peut-être sur la droite. Je ne vois pas non plus Lucas arriver. Ok, bon, à mon avis, Lucas est en train actuellement de se préparer, de se faire tout beau et tout. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps-là, je vais faire comme si c'était mon anniversaire. Hop, on va prendre un ballon, on va prendre un cadeau. Voilà, on va prendre des petits trucs et tout. Ok, boum. Et on va aussi prendre une pizza. Parce que je commence à avoir un petit peu faim. Évidemment, Peppa Pig, vous le savez, elle est un petit peu grosse. Elle est... Oh, attendez, regardez. Je crois qu'il y a Lucas qui arrive dans sa petite voiture. Regardez-le. Ok, bon, il fait attention sur la route. Il roule bien. Ok, parfait. Et regardez ça, il est bientôt arrivé à la salle d'arcade. Hop là, tac, il vient de s'arrêter. Oula, il s'est arrêté au milieu de la route. Et je crois que maintenant, il arrive à la salle d'arcade. Allez, je vais faire comme si je jouais Mario directement. Ok, Lucas est à côté, il est en train de jouer lui aussi. Qu'est-ce qu'il va avoir comme réaction quand il va me voir? Waouh. Ah, bonjour, comment tu vas?
Ça va bien, toi? Oula, c'est moi ou t'as une voix très grave? Ouais. Oula! Eh, les amis, ok, Lucas m'a vu, il se met directement à avoir une voix un peu virile. Bon, ça fait pas du tout stylé, et je trouve ça un petit peu ridicule. Mais bon, on va le laisser un peu dans son délire. Ouais, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Lucas et toi? Pépa, non, c'est ça? Moi, exactement, je m'appelle Pépa, comment tu le savais? Parce que je te connais, t'es charmante, hein. Ah ouais, tu me trouves joli? Oh, c'est gentil. Tu sais que moi aussi, je te trouve plutôt beau, en vrai. Ah ouais, tu kiffes le petit casque, petite lunette là. Ouais, bon, j'aime beaucoup ton petit casque, tes petites lunettes et ton t-shirt avec des voitures. Il est trop joli. T'as vu? Non, moi j'adore ton ensemble. Ah ouais, tu le trouves joli, mon ensemble. Est-ce que tu trouves qu'il me va bien? Regarde. Ah bah, je vais examiner ça de plus près, mais ouais. Ouais, t'aimes bien? Ok. Ouais, je kiffe. Bon, eh les amis, je sais pas du tout pourquoi Lucas, il parle bizarrement comme ça et tout là, il fait un petit peu le mec. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais faire comme si aujourd'hui c'était mon anniversaire et on va voir s'il me prépare une surprise. Eh bah, tu sais quoi? Lucas, aujourd'hui, moi, c'est mon anniversaire. Quoi? C'est quoi? C'est ton anniversaire? Tu m'as dit, Magie? Oui, c'est mon anniversaire. Tu vas taper un petit cadeau pour moi? Oh, je vais un petit cadeau, je vais boire ça, hein. Vas-y, bah, trouve-moi un petit cadeau. Attends, j'ai un petit cadeau. Ah, c'est quoi? Ouais? What? Les potes! Mais wesh! Lucas, il vient de me faire un giga bisou alors que j'étais peut-être pas forcément d'accord. Oh, c'est vraiment trop mignon! Viens, on s'en refait un bisou. Bon, Lucas, j'ai une surprise à t'annoncer. Ouais, je t'écoute, ma belle. En fait, tu connais Twinner? Bah oui, pourquoi? Ouais, non, mais lui, c'est un imbécile, il... Quoi? T'es sérieux? Oui, bah oui, il... Comment dire? Ok... Il est bête, fais pas attention à lui. Les amis, il y a Lucas qui est en train de me dire que je suis bête. Bon, Lucas, j'arrive dans quelques instants, d'accord? Bouge pas d'ici, hein? Vas-y, bébé. Vas-y, à tout de suite. Il va être l'heure de me rhabiller directement en Twinner. Je vais juste garder le masque de cochon comme ça, il va pas savoir c'est qui. Je l'enlèverai devant lui et vous allez voir, ça va vraiment être beaucoup trop drôle. C'est parti. Et boum, me revoilà du coup en Twinner, puisque regardez, si je clique ici et que je fais, ça, comme vous le voyez, eh bien, je redeviens Peppa Pig. Bon, écoutez, c'est pas grave, let's go. Enfin, je redeviens Twinner, pardon. Allez, c'est parti, on retourne au niveau de la salle d'arcade et c'est maintenant l'heure de lui annoncer la vérité. Bon, Lucas, ça va? Ça va et toi? Oui, bon Lucas, j'ai une surprise à t'annoncer, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. 3, 2, 1, tada! Lucas, tu vas où? Tu vas où? Hé! Hey! Comment t'as pu me faire ça? Mais mec, je voulais te faire une petite blague, gros, alors t'as bien aimé ou pas? Non. Oh, what? Oh, les amis, je crois que Lucas, il est en train de pleurer, les potes. Lucas, reviens. Non, mais mec, je voulais juste te faire une petite blague, gros, t'es sérieux? Ok, bon, les amis, j'ai bien l'impression que Lucas est extrêmement triste. Et là, il m'en veut énormément, regardez ça. Il est en train de partir avec sa voiture. Bon, en vrai, les potes, c'était vraiment trop tentant. Je savais pas du tout, par contre, que Lucas était vraiment amoureux de Peppa Pig. Mais du coup, ça a fait une vidéo vraiment beaucoup trop drôle. Si elle t'a plu dès maintenant, pense évidemment à liker tout de suite cette vidéo et t'abonner à la chaîne. On est bientôt 100 000 abonnés, c'est incroyable. Il veut m'attaquer. Ok, je vais me cacher les potes. Ouais, Lucas, il veut me tuer. Bref, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un gros pouce bleu. Et puis sur ce, je vous propose deux nouvelles vidéos. Et une qui s'affiche juste au-dessus et une à droite. Clique tout de suite dessus et je te souhaite un bon visionnage.